dessins par jour. C'est un minimum. Vous voulez plus, vous pouvez en mettre plus, mais un dessin par jour. Et puis ce travail dont on a parlé hier, de la photo, de travail sur photographie à partir de... Un travail sur trois types de photographie, des vues assez rapprochées, des vues de lointaines panoramiques, et puis entre les deux, une vue intermédiaire avec un cadrage qui est un peu différent et qui vous permet comme ça d'explorer et de travailler sur les différentes profondeurs de champ et sur la différente façon de regarder le paysage. Ce qu'on veut que vous fassiez aussi, c'est des photos qui rendent compte en fait des interprétations du paysage qu'on peut faire, des lectures du paysage qu'on peut faire. Et ces lectures, c'est nous qui allons vous aider à les faire là. Donc il faut partir plutôt de ce qu'on dit, de ce qu'on va échanger sur le paysage et ses configurations, son histoire, ses évolutions, etc. Et puis ensuite, essayer de voir comment vous pouvez représenter ça à travers trois photos. Alors, vous ne pourrez pas tout représenter, tout ce qu'on va vous dire. Hein. Ce n'est pas possible, évidemment. Mm. Mais vous pourrez quand même avoir des photos qui sont particulièrement parlantes, quoi. Hein, ouais. Qui vous permettent d'expliquer le paysage, en fait. Mais il faut surtout que la photo soit réfléchie pour vraiment rendre compte d'une lecture du paysage. C'est ça qu'on veut. Gavarnie, c'est une promenade que les touristes ont commencé à faire dès la fin du XVIIIe siècle. Donc c'est vraiment un site emblématique de l'histoire du tourisme en montagne, de la découverte de la montagne par des populations non montagnardes. Et c'est resté un grand site emblématique, même si Gavarnie aujourd'hui est un peu moins visité qu'avant. Parce qu'on a... On était à peu près, on pense, dans les années 60, entre 2 et 3 millions de visiteurs par an. Aujourd'hui, on est à peu près à 600 000. Donc l'intérêt de Gavarnie, en quelque sorte, l'intérêt touristique de Gavarnie est tombé un peu, pas complètement, mais en tout cas c'est un site bien moins connu que ce qu'il a été dans le passé. Et aujourd'hui c'est peut-être un site en perte de vitesse, on pourrait dire presque. Ce qui est d'ailleurs un problème très intéressant, c'est-à-dire de savoir comment est-ce qu'on peut revitaliser en quelque sorte l'intérêt de ce site aux yeux de ceux qui le visitent, comment on peut y attirer plus de monde ou comment... Donc ça peut être une question qui peut être posée aux paysagistes. D'ailleurs, on nous l'a posée à nous, on a essayé de répondre. Et on en parlera tout à l'heure. Donc ici, on est un petit peu en marge des sentiers touristiques, enfin du grand sentier touristique qui mène à Gavarnie. Le chemin principal, en fait, il traverse en bas l'agglomération que vous voyez en bas, que j'appelle pas vraiment un village, parce qu'en réalité, il s'agit essentiellement d'hôtels, de commerces divers. Et tout ça a poussé dans les années 1950, 1970. Et il n'y a pratiquement pas de maisons anciennes en bas, sauf les maisons paysannes, les granges. Pas les maisons, mais plutôt les granges des paysans qui utilisent encore ce territoire. Et ici, on est un peu dans la partie haute, et vous venez de passer devant une église ancienne, romane, c'est-à-dire une église qui date du 11e, 12e siècle et qui a été, dont la présence ici s'explique par le fait que Gavarnie, à l'origine, si vous voulez, c'était une étape importante sur le sentier des pèlerins qui se rendait à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et en fait, on accueillait à Gavarnie, au Moyen-Âge déjà, donc ces pèlerins qui venaient loger ici pour la nuit. Donc il y a un hospice qui est associé à ça. Et qui est après devenu, au moment où le tourisme a pris son essor, qui est ensuite devenu un hôtel, un des premiers grands hôtels touristiques des Pyrénées d'ailleurs, c'est l'hôtel des voyageurs, qui est juste derrière l'église, vous êtes passé à côté, qui fonctionne toujours. C'est 1820 ça, hein, l'hôtel des voyageurs. Donc, vous voyez, on est dans ce qu'on peut appeler une espèce de lieu de mémoire du tourisme, en montagne, du tourisme en général. Et le paysage, vous allez le voir, est extrêmement marqué par cette, entre guillemets, vocation touristique, en tout cas par le fait que, très tôt, y compris les montagnards eux-mêmes, ont considéré que le principal intérêt de cet espace dans lequel on va circuler, c'était justement d'attirer ici des touristes qui laissaient des subsides et qui donnaient de l'emploi aux populations.
Autrement dit, on est dans un paysage qui est un peu particulier parce que le reste de la montagne autour, c'est une montagne qui est avant tout paysanne, qui a été marquée par les pratiques paysannes, agricoles, pastorales. Alors qu'ici, même la configuration des lieux, la façon dont on l'a aménagé, c'est très marqué par, l'intérêt touristique de cet espace, très vite, dès le 19e siècle. Gavarnie, on le voit un peu à l'entrée là, mais le cirque, mais on voit pas tout, et puis on le découvre petit à petit sous des angles particuliers, parfois partiellement, on n'en voit qu'une partie, puis on finit par le découvrir totalement. Et c'est toute une expérience en fait sensorielle, visuelle, qui est très intéressante à essayer de décomposer aussi. Donc si vous voulez, je vous disais, il y a deux dimensions dans ce qu'on fait, c'est-à-dire il y a à la fois cette attention portée à l'expérience sensorielle en fait, vraiment qu'on peut avoir des lieux. Et puis il y a l'interprétation qu'on peut faire à partir de, on va le voir, la recherche dans le paysage d'indices, de choses qui sont en train de se passer ou qui se sont passées dans le passé, justement, qui sont passées autrefois. Il y a la dimension lecture, si vous voulez. Il y a l'expérience sensorielle, il y a la lecture. Ce sont deux dimensions complémentaires, un peu différentes du rapport qu'on peut entretenir avec le paysage. C'est à vous, en fait, par rapport à la façon que vous allez avoir de regarder, de voir comment les lieux même vous suggèrent la mise en scène, cette mise en scène que vous pouvez imaginer en portant votre regard. Et effectivement, il y a le rapport à l'espace, la vallée, les cimes, les versants, l'orientation. Il y a aussi un rapport ici particulièrement important, et aujourd'hui ça va très très bien marcher, à la question de la lumière. Ici, la question de la lumière, c'est quelque chose de très très important, de fondamental. Vous allez avoir des ambiances très très différentes. Et vous avez vu, quand on est arrivé ici tout à l'heure, on était dans l'ombre, il faisait froid. Hein. Et en l'espace de 5-10 minutes, le soleil est arrivé, il commence à faire chaud, la lumière n'est plus la même. Et tout au long de la journée, on va se retrouver confronté à cette situation-là. Et tout le long du chemin, on va avoir des ambiances lumineuses et des ambiances comme ça qui vont être variables. On va traverser des parties en forêt, plus ou moins, en lisière, ou complètement dégagées. Donc voilà, c'est là-dessus qu'il faut que vous commenciez à porter votre regard et à prendre conscience de ces différentes situations. Juste pour un exercice un peu habituel, il faut que vous mettiez un peu ça à la tête, toujours vous demandez un peu où vous êtes. Alors déjà par rapport au soleil, le sud il est où là ? Là-bas. Non. Oui, c'est ça, là-bas. Donc on va marcher plein sud, là. Donc le cirque, encore une fois, ça marque la frontière avec l'Espagne, donc on marche plein sud. Le soleil, il vient de dépasser de la crête, là, vous voyez. Donc l'est est là. Donc il va faire un parcours est-ouest. Et en fait, on va toujours l'avoir dans la figure. Hein. Vous voyez où il est, là ? D'après vous, il est où au mois de juin-juillet, le soleil ? À la même heure. Là-haut, derrière. Derrière la montagne. Ouais, il est par là-bas. Il est déjà beaucoup plus haut dans le ciel. Et il est par là-bas. Ce qui veut dire que si vous venez en juin-juillet, vous n'avez pas la même impression que maintenant. Maintenant, vous allez voir le site à contre-jour toute la journée. Oui, quasiment. Oui. Ce qui d'ailleurs est une expérience intéressante qui est assez riche. Mais vous avez, je vous dis ça aussi pour vos photos. Si vous voulez photographier le site là, vous allez le photographier à contre-jour. Le cirque. Si vous venez en juin-juillet, vous pouvez le photographier avec le soleil derrière vous, ce qui n'est pas du tout la même photo. C'est pas interdit de le photographier à contre-jour, bien sûr. Donc, vous avez un rapport au site qui va être complètement différent. Il va être différent aussi pour un tas de raisons, parce que là, vous commencez à avoir un petit peu les couleurs de l'automne. Au mois de juin-juillet, vous ne les avez pas, bien sûr. Donc, l'altitude, vous avez une idée ? Alors 800, c'est l'altitude de Luz. On est à 1300-1350. Et on ne va pas monter beaucoup parce que l'intérieur du cirque, on va être vers 1500-1550. Donc vous voyez, c'est pas tellement. Hein. C'est juste qu'il y a des petits passages de montée raide. On verra pourquoi, ce que ça veut dire sur le plan géomorphologique. Mais c'est une balade vraiment à la portée de n'importe qui. Hein. Vous voyez, bon,
c'est des réflexes à avoir. Vous demandez toujours où vous êtes par rapport aux points cardinaux. Et on verra pourquoi aussi c'est très important dans les paysages montagnards, c'est-à-dire c'est toute la question de l'exposition. Ici, vous voyez des parties, ici, là, qui sont complètement dans l'ombre et qui vont rester presque tout le matin dans l'ombre, alors que cette partie-là, elle est déjà éclairée. Donc ça veut dire que le versant qui regarde vers l'est, il est éclairé beaucoup plus longtemps dans la journée que le versant qui regarde vers l'ouest. Il est beaucoup plus chaud, beaucoup plus sec, etc. Il n'a pas les mêmes caractéristiques du tout. Se demander où on est du point de vue des points cardinaux et se demander à quelle altitude on est pour commencer à réfléchir au paysage un peu sur le mode de la graduation. Parce que vous allez retrouver un peu partout, ici, dans les montagnes autour, un peu toujours les mêmes choses aux mêmes altitudes. Il y a des régularités. Pas absolues, mais il y a des régularités quand même. Vers 1300-1400 mètres, le paysage qu'on va découvrir après en regardant en contrebas, là, c'est un paysage classique de ces hauteurs que vous allez retrouver un peu partout dans les Pyrénées. Si vous savez à quelle altitude vous êtes, ben vous allez identifier un type de paysage qui correspond à ce niveau de la montagne. Dans cette partie de la montagne pyrénéenne, on a affaire à une mise en valeur qui est essentiellement pastorale. Il n'y a plus d'agriculture, c'est-à-dire qu'on ne cultive plus autre chose que ce qui est nécessaire à l'alimentation du bétail, c'est-à-dire en fait ce qu'on peut faucher dans les prairies, comme je vous disais hier. Une prairie, ça se fauche, on enlève le foin. Ce foin sert de réserve alimentaire pendant l'hiver. Parce que pendant l'hiver, les troupeaux neigent ici, il y a pas mal de neige, les troupeaux n'ont plus rien à manger et on stocke le grain dans on stocke le foin dans ce qu'on appelle les granges. On en verra beaucoup, là il y en a partout d'ailleurs, les granges. Donc tout ce qui est entouré de murets là, ben justement c'est l'espace des prairies. Et dans ces prairies, on fauche, mais on emmène aussi le bétail, par exemple après la fauche. Pour qu'ils puissent aussi pâturer sur la prairie à certaines saisons. Mais on reprendra ça un peu plus longuement plus haut. Donc ça veut dire que ces murets, ce sont des limites de parcelles de prairie. Alors en fait, ce que tu dis, c'est une observation qui se défend, hein, de dire il y a des murets pour pas que les animaux pénètrent dans la forêt. C'est logique. Hein. Sauf que c'est pas vrai. Mais parce que en fait, si vous montez un peu dans la forêt, dans certains endroits, vous allez retrouver des murets identiques. C'est-à-dire qu'en fait, les prairies étaient là avant la forêt. Les murets, donc, étaient là avant la forêt. Et pas très haut, hein, parce que les prairies, elles ne montent pas très haut sur le versant, mais il y en a encore un peu dans la forêt. Ça veut dire que la forêt est venue après et est venue s'implanter sur des anciens espaces de prairies. Le bas, en tout cas, de cette forêt, la partie basse. C'est-à-dire, c'est une forêt qui a été plantée par les services forestiers de l'État dans les années 1930. Vous voyez, c'est une forêt récente qui a été plantée là pour des questions de protection du village de Gavarnie, du grand chemin de Gavarnie qui passe en bas. On voulait protéger tout ce qu'il y avait en contrebas contre les avalanches de neige et les avalanches de pierre. Avant la forêt, ce versant était complètement nu, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas d'arbres, pas du tout. Et c'est pour protéger toutes les infrastructures touristiques en contrebas qu'on a planté ça, à la demande d'ailleurs des habitants de Gavarnie. Donc vous voyez, cette forêt, c'est une forêt artificielle, et qui est gérée encore aujourd'hui comme une forêt de protection contre les avalanches. Certaines espèces que vous voyez là dans la forêt, alors évidemment il suffit que je le dise qu'on n'en voit pas, c'est chaque fois pareil, mais certaines essences d'arbres ici, sont des essences qu'on ne trouve pas du tout dans les Pyrénées, qui sont des essences alpines, comme par exemple donc le mélèze, qu'on verra tout à l'heure, on vous en montrera.
qu'on remarque d'ailleurs particulièrement puisque c'est un conifère caduc mais qui n'a pas encore du tout pris ses couleurs automnales, qui a encore un vert particulièrement printanier et frais. Là, on a croisé quelques-uns, vous en pouvez en croiser par la suite. Et tout à l'heure, Serge, on vous montrera des photos de cet endroit-là avant la forêt, donc essayez de bien vous imprimer, alors soit par photo, soit autrement, cet endroit pour essayer de le resituer lors de la projection de ce soir qui vous montrera des photos d'avant la forêt, du début du XXe siècle. Tout ça pour en arriver à la question initiale, c'est-à-dire où est-on, où passe ce chemin. C'est un chemin de lisière, hein. Un chemin en lisière qui passe par une lisière forestière. Et là, si on regarde le paysage à cette échelle, là où on est, là, il y a les arbres de la forêt, qui sont essentiellement des conifères, vous voyez, donc des résineux, ce qu'on appelle des résineux, des conifères, comme les pins noirs qu'on voit ici, ou bien les pins sylvestres. On voit bien là. Il y a des pins sylvestres, qui ont le tronc orange, là. Les épicéas. Les épicéas. Que vous voyez là avec les pignes qui tombent, là. Ce sont des épicéas. Ça. L'épicéas, c'est le sapin de Noël. Hein, pour... Voilà, c'est le sapin de Noël. Enfin, l'ancien. Il y a des mélèzes qu'on ne voit pas ici, mais il y en a beaucoup. Tout ça, ce sont des arbres choisis par les services forestiers pour être plantés là, pour stabiliser les sols, etc. Et puis, il y a d'autres arbres. Ils n'ont pas du tout le même aspect. Ils sont verts, beaucoup plus clairs que les résineux. Ce sont des feuillus, donc des arbres qui aussi perdent leurs feuilles en hiver et qu'on voit ici, et c'est ça, c'est tout ce qu'il y a le long du chemin là, mais plutôt de ce côté-là, mais un peu de l'autre côté aussi. Alors, c'est dominé par une espèce qu'on voit partout, en contrebas aussi, pas seulement ici, mais qui déborde un peu sur le chemin et qui va à la rencontre de la forêt. On les voit bien le long du mur, du muret. Voilà. Tout le long du muret, tous ceux qui prennent leurs racines un peu dans les rochers, dans les murets, ici, vous en avez un devant vous, ici, ou plusieurs, c'est, vous savez ce que c'est ? Les frênes. Frênes. Ouais, alors, vous savez, c'est une fraction. Donc, les frênes. Ouais. Ces arbres qui vont à la rencontre de la forêt, plantés par les forestiers, on pourrait dire que ce sont des arbres paysans. Pourquoi paysans ? Eh bien, parce que ce sont des arbres que les paysans ont favorisés, ont favorisé, parce que c'est pas eux. Le frêne, il existe ici à l'état naturel aussi, mais sauf qu'ils ont privilégié le frêne, parce que c'est un arbre. Dont on peut contrôler la croissance, c'est-à-dire il va pousser dans les murets, il va pousser dans les rochers, il a besoin de terrain comme ça rocheux pour pousser, il aime ça, donc il va pas, c'est pas des arbres qu'on va trouver au milieu de la prairie, on va les laisser sur les bords, et sur les bords de la prairie, il représente, en complément de l'herbe qui est dans la prairie, en complément du foin, une nourriture pour les animaux, parce que ces frênes, on coupait systématiquement les jeunes branches, pour le donner au bétail, pour le donner aux brebis surtout. Et donc, les brebis mangeaient les feuillages. Et c'était un fourrage comme un autre. Ce qu'on appelle un fourrage, c'est ce que mangent les bêtes, hein. Ce que mange le bétail domestique, ce qu'on appelle un fourrage. Et donc, c'était un fourrage autant que l'herbe elle-même. Et donc, ça permettait, si vous voulez, de doubler les capacités de production, ou d'augmenter en tout cas les capacités de production de toutes les parcelles. De prairies. C'est pour ça que cet arbre est si présent, parce qu'il a été favorisé pendant des siècles. On pourrait presque dire des millénaires d'ailleurs. Et cet arbre-là, qui est vraiment typiquement, qui est vraiment typiquement l'arbre issu d'une très longue histoire de l'exploitation paysanne de ces espaces, et bien vous voyez comment maintenant il a tendance à envahir un peu tout, c'est-à-dire ce qu'on appelle la pression paysanne, c'est-à-dire le fait qu'on cultive aujourd'hui moins que ce qu'on a cultivé hier, qu'on amène moins de bétail, qu'on a moins besoin de foin, ben, du coup la pression sur l'espace est un peu ralentie, et le frêne, il en a profité pour croître un peu partout, autour du chemin, à l'intérieur même des parcelles, dans les parcelles qui ne sont plus du tout utilisées, les parcelles prairies ne sont plus du tout utilisées. Et ça fait comme maintenant presque comme un boisement qui en rencontre un autre, en fait. Les lisières, c'est toujours un mélange, un mixte, quelque chose de très métissé, entre deux mondes, quoi. Alors ici, c'est entre la prairie et la forêt des forestiers, ou on pourrait dire entre un boisement qui est directement issu de la prairie et un boisement qui est issu d'une replantation, donc qui correspond à une forêt artificielle.
Serge vous a parlé de cet arbre, là, le frêne, qui était lié à des pratiques paysannes et notamment à des travaux de taille pour pouvoir récolter le feuillage jeune. Et donc, au-delà de la question botanique, hein, on vous parlera plus tard de noms latins, choses comme ça. Au-delà de la question du nom, il y a les formes et les âges, parce que le végétal, la question botanique, ça veut rien dire, si ce n'est que génétiquement, ce sont des êtres qui peuvent se reproduire entre eux, mais après, là, dans la question dynamique d'un enfrichement progressif, il y a aussi la reconnaissance d'âges différents. Ça peut être intéressant d'observer que... Il y a des frênes qui paraissent très très jeunes là, qui viennent de comme on a ceux qui sont là jusque là tout droit, très très verticaux, qui s'élèvent en groupe sous le vent dans un endroit qui est probablement moins piétiné, etc. Et des frênes dont la forme est issue d'anciennes pratiques, on verra, donc c'est-à-dire avec des cicatrices éventuellement de taille ou des formes en tout cas de troncs qui sont issus de cette pratique là de taille régulière. On pourra en voir le long du chemin. Donc c'est des formes beaucoup plus trapues, avec des troncs beaucoup plus épais. C'est une espèce de lecture aussi dans l'architecture du sujet en lui-même, de son histoire et des pratiques qui sont liées. Donc ça, c'est important aussi. On vous parle d'une espèce, mais c'est pas tant... il y a une espèce, mais il y a aussi la manière dont là on l'a utilisée, ou son rapport aussi au milieu, parce que on va ne faire que monter là aujourd'hui, même si c'est pas spectaculaire. Le frêne, il pousse pas du tout de la même manière au fond de vallée à Luz, ou voire même plus bas à Lourdes, qu'il va pousser ici. Et ça, c'est aussi des caractéristiques qu'il est intéressant de commencer à identifier. Parce que c'est le même frêne, c'est le même nom latin, c'est le même nom botanique, mais avec des caractéristiques différentes du fait, en l'occurrence là, c'est la question de l'altitude ou d'une pratique liée à la taille ou à d'autres choses. Il y a des arbres des espèces qui sont particulièrement intéressantes à noter parce qu'elles sont caractéristiques de ces espèces, de ces lieux-là, parce qu'elles ont cette capacité à venir pousser avant les autres, donc c'est-à-dire dans des espaces ouverts, juste à ce moment-là où la pression pastorale permet justement la germination de ces arbres et leur pousse, en fait le fait qu'elles ne soient pas broutées en permanence. Et donc ces arbres, on appelle ça des arbres pionniers, et ici, ces espèces pionnières sont caractérisées notamment par... Enfin, le frêne peut en faire partie, mais notamment, il y a la question du bouleau. Vous avez vu des bouleaux, là? Oui, là, derrière. Oui, voilà, vous en voyez dans la forêt, il y en a depuis tout à l'heure, et il y en aura. Donc en fonction des expositions et des lieux, ici il y a deux bouleaux principaux, mais pour l'instant c'est pas très important, mais la question du bouleau, c'est un arbre dit de lumière, c'est un arbre qui a horreur des concurrences qui peuvent s'installer après, donc c'est un arbre qui pousse dans les espaces ouverts et qui a aussi une longévité relativement faible. Alors pour un arbre, une longévité relativement faible, c'est de l'ordre de 60 ans à peu près, entre 40 et 60 ans. Et donc qui, dans la dynamique des choses, laisse place à d'autres espèces. Hein, quand l'espace va se fermer, la lumière va changer, il y aura moins de lumière. Donc c'est un arbre qui aime la lumière, donc il va se déplacer ailleurs, il y a plus de lumière, et va laisser la place à d'autres essences qui sont plus adaptées à l'ombre. Est-ce que c'est pas pour ça qu'il pousse dans la hauteur? Parce que là, par exemple, on voit celui-là, il dépasse tous les autres. Chercher la lumière. Oui, c'est une très bonne observation. C'est encore en relation avec la question de la morphologie et ce que peut raconter effectivement la morphologie quant à l'histoire de cet espace-là. Effectivement, tu observais assez finement que là, les bouleaux qui sont dans les pins sont particulièrement verticaux. Et probablement que la présence de ces bouleaux est un peu contemporaine de la présence des pins ici, parce qu'en fait, dans un espace aussi dense que ça, le bouleau n'aurait pas germé. Donc en fait, là, on est sur une dynamique de lisière qui est à peu près qui correspond à une histoire, une temporalité équivalente, c'est-à-dire que la durée de vie, le fait que le bouleau perdure dans cet espace-là est relativement limité, puisqu'on est en un espace qui est en train de se refermer, et puis là on voit aussi que ces dynamiques-là, qui étaient de l'autre côté entre guillemets du muret, sont en train de,
passer de cet autre côté-là, parce que les frênes ne continuent à grandir et il n'y a plus grand-chose qui les arrête, entre guillemets. Enfin, c'est pas une catastrophe, mais c'est comme ça. Et du coup, effectivement, là, le boulot, là, les bouleaux vont chercher la lumière, mais comme d'ailleurs toutes les espèces de forêt, enfin, qui sont dans cette forêt-là, que ce soit les bouleaux ou les autres. Donc, et c'est intéressant d'observer, du coup, que ce même boulot-là, quand je dis le même, c'est pas le même sujet, mais la même espèce, qui est à l'intérieur de la forêt, ou en tout cas entourée par des pins, là, en l'occurrence, va pas avoir du tout la même morphologie que des bouleaux qu'on a pu croiser juste avant, là, au milieu du, enfin, au niveau du muret, qui était en pleine lumière. Donc, il y a des, de la même manière qu'il y avait des contrastes de physionomie en fonction d'une opération de taille, là, il va y avoir des physionomies différentes en fonction notamment du facteur lumière. Bon, c'est pas toujours le cas, mais on définit donc d'une part la question du tronc. Donc, bon, tous les arbres n'ont pas un tronc, et particulièrement par ici, mais en tout cas, le tronc, c'est le fût, c'est-à-dire c'est l'architecture principale de l'arbre qui est plus ou moins verticale, et donc qui part du sol et qui va jusqu'aux premières branches. Et donc la partie qui est au-dessus, donc qui comporte les branches et les feuilles, c'est ce qu'on appelle le houppier, grosso modo. Je dis grosso modo parce que tout ça est soumis à tellement de variations possibles. Donc il y a des arbres dans lesquels le houppier est difficilement identifiable et d'autres où c'est très caractéristique. Un arbre, un frêne brouté par les vaches en permanence au milieu d'un champ, c'est très clair. Vous avez un tronc jusqu'à à peu près 1,50 m, et après vous avez un houppier. Et bon, et après il y a des espèces qui ne forment pas du tout de tronc et d'autres qui en forment des très identifiables, etc. Et après là, encore une fois, on est en montagne, donc il y a la dimension, l'altitude qui vient altérer ou en tout cas modifier les physionomies des arbres, et du coup aussi altérer cette vision possible assez un peu archétypale, hein, de l'arbre tronc-branche. C'est plus compliqué que ça. Un mouvement en cours, parce qu'on voit, donc il y a plein de jeunes sujets, ils sont relativement épars, et on voit aussi, donc au-delà de la question des arbres, il y a aussi des textures dans l'herbe qui et des hauteurs qui témoignent aussi d'une diminution de cette pression. Là, on est sur des espaces, entre les espaces pâturés régulièrement ou encore de manière très importante, qui sont relativement rares. On a juste au-dessus là, mais c'est d'un côté et de l'autre du chemin, des textures complètement différentes, du coup des herbes, des espèces différentes d'herbes, de l'herbe qui va être plus épaisse et que du coup il va, en termes de visuel, il va y avoir plus d'ombre, plus de textures, enfin des choses plus variées. Et du coup c'est aussi des éléments qui peuvent être perçus, donc là à
dans une à faible distance, mais aussi en observant des versants qui peuvent être plus éloignés. Donc là, cet aller-retour entre les choses que vous pouvez observer facilement à vos pieds et des choses et du coup des extrapolations que vous pouvez faire sur des versants qui sont plus loin, c'est important aussi d'essayer de faire ce rapport d'échelle entre des éléments, en l'occurrence c'est des textures et des couleurs, mais que vous pouvez savoir que le boulot est gris, c'est pas forcément une évidence, mais en ayant un boulot gris à côté et en essayant de le repérer sur le versant d'après, on peut aussi commencer à construire le versant de manière un peu plus précise, en l'occurrence là une espèce. Juste deux, trois petites choses pour que vous compreniez bien. C'est par rapport à ce qu'il vient de dire aussi, je vais vous dire ça en d'autres termes. L'année dernière, par exemple, on avait demandé aux étudiants de travailler sur certains végétaux. C'était le bouleau, le hêtre et le frêne, je crois. C'est ça. Et il y a des étudiants qui ont... Alors, on leur demandait un peu d'observer ces arbres, là où ils étaient, pourquoi ils étaient là, et quelle forme ils avaient, ou quelle couleur aussi, dans les endroits où ils se trouvaient, en essayant de comprendre pourquoi. Et quand on est revenu à l'école, et qu'on avait organisé une restitution de tout ça sur des panneaux, eh bien, on s'est rendu compte que dans beaucoup de panneaux, déjà l'automne avait disparu. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus les couleurs, tout était vert comme dans les planches de botanique. Et puis aussi on s'est rendu compte que beaucoup d'étudiants, au lieu de nous exposer ce qu'ils voyaient, ce qu'ils avaient vraiment vu, nous parlaient des modèles, c'est-à-dire d'une végétation théorique qui n'est pas celle qu'on voit. Ce que vient de dire Quentin, c'est un peu ça. C'est, ici, on est dans presque un modèle qui se réalise vraiment sur le terrain, dans le sens où ça, c'est ce que vous allez trouver dans les bouquins concernant l'environnement pyrénéen, les bouquins d'écologie, de biologie, qui vont vous expliquer que ici, la végétation naturelle, c'est la hêtraie sapinière, la superposition des sapins, du hêtre et du sapin, et que la nature arrive là, en quelque sorte, spontanément, et que c'est donc l'état naturel des choses. Et on avait des étudiants qui nous présentaient la végétation qu'ils avaient vue en fonction de ce modèle théorique, au lieu de nous présenter la réalité de ce qu'ils voyaient. Le modèle, ça sert juste à comprendre. Ça sert à comprendre que si vous laissez faire, si plus rien ne se passe, si on ne touche plus à rien, ben, il y a des chances qu'on arrive à quelque chose qui ressemble à ça. Mais tout est touché, tout est utilisé, ou a été utilisé peu avant, aujourd'hui. Et donc ce qu'on voit, c'est pas ça, c'est pas le modèle. C'est tout à fait autre chose. Ce sont la végétation réelle, ce n'est pas la végétation du modèle. Alors, par exemple, ici, on a un versant de bouleau, comme disait Quentin. C'est essentiellement du bouleau, un peu du frêne aussi. Cette végétation-là, elle est très récente, contrairement à celle-là. Celle-là, elle s'est installée depuis... elle a commencé à progresser depuis, on va dire, les alentours de la Deuxième Guerre mondiale, les années 50. Et elle a progressé beaucoup, surtout ces dernières années, parce que le boisement s'est de plus en plus développé au fur et à mesure que le bétail fréquentait moins ces lieux-là. Donc quand c'est pas brouté, quand il n'y a pas la dent du bétail pour éliminer les jeunes pousses, ben, ça, le bois arrive, et voilà. C'est toujours jeune, ça c'est une forêt vieille. En fait, il faut toujours revenir à ce qu'on sait, et vous savez quand même pas mal de choses, et en l'occurrence là, si on ne sait pas que c'est un sapin, un pin ou je sais pas quoi, on peut dire il y a des arbres qui semblent relativement jeunes, ça c'est ce que tu as à peu près expliqué, et puis en dessous il y a des espèces de formations arbustives, buissonnantes, basses. Là j'ai rien, enfin c'est rien d'extraordinaire, c'est juste observer ça. Et effectivement, autour de ces formations arbustives, là il y a des espaces qui paraissent pâturé parce que un espace herbacé rat. Donc tout à l'heure on vous a dit comment ça s'appelait ce lieu là. Ça s'appelait la Prade. La Prade, ça veut dire en
Ça veut dire le pré, en fait. Et donc, dans votre imaginaire, un pré, ça ressemble pas à ça. Ouais. Donc là, effectivement, on est sur une dynamique, comme tout à l'heure, là, il y a une dynamique d'enfrichement progressif de ces espaces de pâturage qui, avec la baisse de la pression pastorale... Comment ? Oui, le... Non. Donc ces arbres-là, enfin, il y a plusieurs espèces d'arbres qui sont aujourd'hui dans la prade, mais principalement les résineux que vous voyez, ce sont des pins à crochet. Traditionnellement, ou en tout cas, on parlait tout à l'heure de modèles biologiques, les pins à crochet, ils sont plutôt plus haut en altitude. C'est des espèces qu'on peut apercevoir à la limite entre les au-dessus des épaulements, à la limite avec les pâturages de haute altitude qui apparaissent comme des espèces de conifères un peu gris là-haut. Et donc en fait ici ils ont réussi à germer parce que la pression pastorale était plus basse. Et pour vous raconter un peu la totalité de l'histoire, en fait, le processus exact, c'est dans l'idée qu'il y a une... Vous imaginez tous la pression pastorale, là, c'est la répétition des mâchoires des herbivores qui broutent, qui broutent, qui broutent, et qui empêchent toute végétation autre que celle qui est capable de supporter ce broutage permanent. Donc, principalement, ce sont des espèces d'herbacées. Donc seules celles-ci sont capables de pousser, donc c'est la prairie telle que vous pouvez la voir derrière, là c'est toute rase. Et au fur et à mesure que cette pression baisse, certaines espèces réussissent à pousser, bon an, mal an. Et là en l'occurrence il s'agit donc ce que les formations arbustives là qu'on voit ponctuer cette ancienne prairie, ce sont des genévriers. Qui sont donc des conifères arbustifs qui sont donc épineux, un peu agressifs et sont pas, un peu moins appétents pour les herbivores une fois qu'ils ont commencé à germer. Et du coup, ça explique que ces espèces-là puissent apparaître. C'est les premières espèces qui marquent dans le paysage le recul de la pression pastorale. Et donc on imagine des temps un petit peu plus longs où ces petits genévriers forment progressivement ces espèces de coussins. Et à l'intérieur de ces genévriers vont pouvoir germer d'autres espèces parce que du coup c'est des espaces, donc ils forment une espèce de protection contre les herbivores. Et à l'intérieur de ces coussins de genévriers vont pouvoir germer, en l'occurrence ici, principalement des pins à crochet. Donc on est ici à l'entrée du cirque de Gavarnie, qui est un haut lieu de la pratique touristique de la montagne dans les Pyrénées. On va en reparler certainement demain matin en salle, on va vous montrer plein d'images et comment ce site a été découvert, inventé
et puis comment il a évolué dans sa pratique touristique. Et cette pratique touristique, elle s'est surtout développée à partir de la fin du 19e siècle, quand on commençait à découvrir les Pyrénées. Enfin, on ne commençait plus, là c'était déjà une phase avancée de la découverte des Pyrénées, découverte scientifique, découverte dite scientifique, découverte romantique aussi. Et puis à la fin du 19e siècle, il y a eu des associations qui se sont créées, il y en a qui ont contribué fortement au développement touristique et à l'aménagement de la montagne et qui ont évolué vers des pratiques qu'on connaît, qui sont celles qu'on connaît aujourd'hui. Et il y en a deux essentiellement qui sont apparus à la fin du 19e siècle. Il y avait le Club Alpin Français, qui était un club d'alpinistes, de pyrénistes, en fait de montagnards, donc, sur le modèle du Club Alpin Anglais, de l'Alpine Club, et qui était une sorte de club un peu élitiste. De notables et d'aristocrates qui découvraient la montagne et qui pratiquaient un peu une pratique au début de découverte, mais mélangée avec une pratique sportive, et qui petit à petit a glissé plus vers une pratique sportive qu'une pratique de découverte. Et puis et c'est comme ça qu'est né l'alpinisme de haut niveau qu'on connaît aujourd'hui. Et associé à ce club alpin français, qui a été créé en 1874, de mémoire comme ça, il y a une autre structure importante qui s'est créée en France, qui était le Touring Club de France, et qui a été créé par des cyclistes, en gros, pour le dire rapidement, et qui a été une forte structure de découverte des paysages et des territoires de France, et pas que en montagne, sur l'ensemble du territoire. Donc ces deux structures se sont partagées un petit peu l'aménagement de la montagne et la pratique montagnarde. Le Touring Club de France s'est réservé la moyenne montagne et les parties basses de la montagne, donc en gros jusqu'ici, à cette altitude-ci, et le Club Alpin Français s'est autorisé l'aménagement de la haute montagne avec les sentiers, les refuges de haute montagne et certains sites, certaines voies d'escalade qui ont été petit à petit aménagées. Et donc, on a là un partage du territoire qui se fait et une découverte de la montagne qui commence à mettre en place des représentations et des pratiques et des visions qui divisent l'espace entre le bas et le haut. Et donc ce sont des visions de la montagne qui perdurent aujourd'hui, hein, avec la moyenne randonnée, la moyenne montagne, et puis les métiers qui en découlent aujourd'hui avec les métiers d'accompagnateur en montagne, qui accompagnent les gens dans les parties, assez haut, mais qui restent dans les parties intermédiaires, on va dire. Et puis les guides de haute montagne qui, eux, vont faire amener des clients découvrir l'escalade, l'alpinisme dans des voies difficiles, enfin, plus ou moins difficiles, mais en tout cas en haute altitude. Donc on voit que déjà à la fin du 19e, il y a une répartition de l'espace qui se fait, et on voit apparaître cette limite qui se trouve à peu près à cette altitude-ci là, du bas du cirque. On est à peu près à 1500 mètres ici d'altitude, hein, grosso modo, et à ce partage du territoire correspondent aussi des modes d'aménagement et de développement de la montagne. Avec des bâtiments comme celui-ci, donc vous avez vu quand on arrive par derrière, ça s'appelle l'hôtel du cirque. Donc on est dans une structure d'hébergement de type hôtellerie. Et donc c'est les hôtelleries de montagne qui se sont développées un peu partout dans les Pyrénées à la fin du 19e et début du 20e siècle. Et puis, et ça c'était Touring Club, essentiellement Touring Club de France, qui avec ses ramifications, les diverses ramifications qu'il y avait dans les vallées. Et puis aussi vous avez, après, dans la haute montagne, en haute altitude, le Club Alpin Français qui a construit les refuges, les vrais refuges de montagne, les refuges de haute montagne. Et ce qui est intéressant ici dans le massif de Gavarnie et du Mont-Perdu,
le mont perdu qui est le sommet culminant qui est là derrière, c'est que ce massif-là a été pionnier en termes d'aménagement de la montagne, de la haute montagne, puisque c'est ici qu'a été construit le premier refuge de haute montagne des Pyrénées, de l'histoire pyrénéenne. C'est le refuge de Tucquerouille, qui est là-haut, au-dessus, qui a été construit en 1890, donc à la fin du 19e siècle. Et la particularité de cette architecture-là, c'est un petit bâtiment, hein, qui est beaucoup plus petit que ça, qui est construit sur les crêtes, c'est que si au début, la pratique touristique de la montagne, la découverte, s'appuyer sur les cabanes pastorales et un peu cette architecture vernaculaire qu'on trouve en montagne, là, pour la première fois dans l'histoire de la montagne et de l'aménagement de la montagne, on a une construction qui est conçue non pas par les gens des vallées et par de façon empirique, mais par les gens de la ville qui viennent, puisque ce sont eux qui pratiquent la découverte de la montagne, l'alpinisme, ce sont cette partie de la société un peu, une sorte d'élite de la société qui a de l'argent et qui a du temps et qui a une certaine culture. Donc ces gens-là arrivent, s'approprient la haute montagne, qui pour les gens des vallées étaient des territoires qui n'avaient pas de valeur parce qu'on ne pouvait pas amener les troupeaux, on ne pouvait pas cultiver, donc ça représentait rien pour eux, quoi. Et c'est la vision romantique de la montagne qui se les est appropriée avec la bourgeoisie, en gros, et l'aristocratie. Donc on arrive ici à un premier temps d'aménagement, de construction d'un premier édifice qui est conçu sur un projet d'architecte. Alors en l'occurrence, il se trouve que c'est un architecte bordelais qui a conçu le projet avec des membres du club alpin français. Et on doit la paternité de ce refuge à un président du club alpin français de la section de Bordeaux qui s'appelait Lourdes Rocheblave et avec qui avait travaillé avec un architecte bordelais qui était Alphonse Blaquière. on y arrive. Et Alphonse Blaquière qui, pour tout dire, faisait partie du club alpin français, faisait partie de cette société bordelaise friquée, qui avait du temps, qui allait pratiquer la montagne, la haute montagne, et qui était, et c'était l'architecte, à Bordeaux il y a pas mal de bâtiments, c'était l'architecte de la bourgeoisie bordelaise, à Bordeaux notamment dans le cours Alsace-Lorraine, il y a des immeubles faits par Blaquière, et il construisait aussi des maisons pour les Bordelais à Arcachon, donc voilà, vous voyez, c'est une sorte de... c'est un milieu social très aisé, qui a beaucoup d'argent, qui se fréquente entre eux. Et c'est un architecte qui est issu de ce même milieu-là, qui avait pignon sur rue, qui avait une grande notoriété sur Bordeaux, qui construit et qui conçoit ce premier refuge de montagne avec, sur un modèle très particulier qui est une voûte de forme néo-gothique. On montrera des images dans la salle. Et qui s'inscrit dans cette pratique de la montagne qui se veut être une pratique moderne avec tout ce que ça représente de retour à la nature. Alors la modernité, c'était dans ce milieu de montagnards, c'était le retour à la nature dont on a parlé ce matin. Et en architecture, cette modernité et ce milieu de la nature étaient symbolisés par le néo-gothique. Et donc cette forme architecturale de ce premier refuge de montagne, elle a une forme néo-gothique, une forme de voûte brisée, en voûte brisée comme ça, comme les cathédrales, mais en tout petit, hein, et qui présente des avantages techniques, des avantages de résistance de matière, mais qui aussi présente à des aspects symboliques importants et qui inscrivent les territoires de la montagne, de la haute montagne, dans la modernité et dans une appropriation par la société urbaine de ces territoires-là. Voilà. À partir de là, ça a toujours été le cas. La montagne, enfin la haute montagne, a toujours été un territoire de modernité dans son aménagement. Les refuges ont toujours été aménagés avec des principes architecturaux qui étaient issus des mouvements modernes de l'époque. Donc là, Blaquière, c'est le néo-gothique, ce qui représentait l'architecture moderne à l'époque, à la fin du 19e siècle, hein, sous l'impulsion de Viollet-le-Duc. Mais
Ensuite, ça a été le cas aussi dans une phase qui était ultérieure d'aménagement de la montagne dans les années 50-60, où la phase de refuge qui a été construite à cette époque-là ont été construits. Ce n'était plus des refuges en forme de voûte, mais c'était des refuges avec une forme architecturale qui était issue des préceptes du mouvement moderne, dont l'un des porte-paroles fer de lance était Le Corbusier. Et donc avec des nouveaux matériaux, là aussi, l'utilisation du béton, l'utilisation des ferrailles, des nouvelles ferrailles, ensuite l'utilisation de l'aluminium pour les menuiseries, et puis l'utilisation du béton. Et des formes architecturales du mouvement moderne. Et puis petit à petit, avec surtout quelque chose qui a révolutionné l'aménagement de la montagne, qui était l'avènement de l'hélicoptère dans les années 60. Et ça a été ici aussi, dans les Pyrénées, le premier refuge qui a été construit avec un ravitaillement du chantier avec hélicoptère, qui est le refuge de la Brèche de Roland qui se trouve là derrière, dans les années 70 et quelques. Voilà. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans un territoire, dans un espace ici, là, à la haute montagne, un espace de modernité, un territoire de modernité, un territoire qui a représenté des enjeux qui ont été portés par une société urbaine qui a apporté ses valeurs et qui les a inculquées et qui sont celles qu'on a aujourd'hui et qui donne aujourd'hui les pratiques qu'on a de la montagne. Bon, qui se sont diversifiés, certes, par rapport à cette vision qui avait un peu élitiste du début. Voilà, on me dit qu'il faut que je sois un peu bref, donc on va s'arrêter là. Ah non.